Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans ce son qui est trop fort. Attendez, ah, j'ai oublié d'en déclencher le script de l'audio par Zen. Voilà, toutes mes excuses, nous sommes prêts à partir. Non, on n'est pas prêts. Parce que j'ai pas lancé le chrono. Et voilà, là c'est bon, là on est bien. On est même très bien. Juste un petit peu fort dans mes oreilles, voilà. Ok, suite. De Soul River, Legacy of Kain Soul River, jeu mythique parmi les jeux mythiques sur PS1, 99, développé par Eidos, Crystal Dynamics, et édité par Eidos Interactive, après le rachat de la licence de Silicon Knights. Alors, je suis quasiment sûr que j'aurais dû changer de dimension avant d'emprunter ce chemin tortueux. C'est pas grave, je suis persuadé que le jeu étant très sympathique, il va me proposer un endroit pour changer de dimension dans pas trop longtemps, on l'espère. Yay! Visiblement, c'est pas le cas, ok. Alors, ce qu'on va faire, voilà, aveu de faiblesse. On va faire le truc vanilla, on va changer de dimension maintenant. Et comme ça, moi, il n'y aura pas d'embrouille. T'inquiète pas, YouTube, il n'y aura pas d'embrouille. J'espère que... Mais oui. Ah. Et je ne peux pas, c'est ça. Embrouille, il y a, je ne peux pas changer de dimension. Parce que si je change de dimension, je ne pourrai pas traverser la grille. Car après avoir tué mon frère Melkia... j'ai acquéri son pouvoir, SAVR, celui de traverser les grilles et autres caniveaux. Et la petite plateforme qui me permet de changer de dimension est derrière cette grille. Alors, bah, du coup, comment montais-je? Good question. Ah, mais oui, mais le bloc que j'ai tiré, évidemment. Et là, je fais hop, on y est. Et là, est-ce que j'ai un truc pour changer de dimension ou pas? Comme dans le chevalier du Zodiac. Another dimension. Ouais, la suite, c'est par là. Bon. J'aurais pas chopé mon arme. J'ai vu qu'il y en avait une au mur, j'aime bien choper des armes. C'est pas grave. On backtrack à l'infini. Hop. Eh mais j'y pense... Ouais non, là il faut vraiment que je change de dimension. Je pourrais aller voir les humains en vrai. Parce que je sais où est leur cité et... Et ouais mais je sais pas si c'est utile d'y aller maintenant. Je sais même pas si c'est vraiment utile d'y aller tout court dans le jeu. Une petite sphère pour changer de dimension. Ah! Parfait. Another dimension! Ou alors la version abrégée. Et qu'elle s'ouvre une autre dimension. c'est bien les chevaliers Zodiac abrégés. Vous devez regarder les chevaliers Zodiac abrégés. C'est un impératif. Hein. Vous n'y couperez pas. Hop. Voilà. Donc là, évidemment, ça marche beaucoup mieux. Oui. L'arme de Melkia t'ouvrira de nouvelles voies. D'accord, Benoît Hallman. Oui. Ces ruines sont abandonnées, mais point désertées. Putain, ça décodé, c'est beau ce qu'il dit, le gars, putain. Aïe. Dites-moi si vous préférez, d'ailleurs, en 4 tiers ou en 16 neuvième.
Quoique non, en fait, le temps que vous me dites si vous préférez en 4 tiers ou en 16 neuvième, j'aurais déjà fini le jeu depuis fort longtemps. Mec qui aurait eu ces trucs à l'avance, voilà. Et maintenant, est-ce que je peux passer ces grilles-là? Attends, pas en combat. Eh, vous êtes faible, vous? Ouais, barre-toi, ouais. Ah ouais, mais genre, il y en a à l'infini, là. C'est chiant. Voilà, on se met en face à face. Ah, donne-moi ton aime! J'adore leur démarche, ils sont trop swag. Allez. Qu'est-ce donc? Ces artefacts renforcent ton endurance et te permettent de prolonger tes apparitions matérielles. Il t'en faut 5 pour compléter l'insigne et reprendre des forces. C'est comme les quarts de cercle dans Zelda. Spoiler. Allez. Voilà, parfait. Et pas une autre grille d'ailleurs dans le coin-coin. Si, là. Allez. Mais tu te fous de ma gueule, Raziel. Voilà. Super pouvoir de fantôme. C'est vrai que Raziel, en fait, c'est un peu Deadman. Dans le DC Universe. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire ici, mais je ne sais pas quoi. Ah, peut-être changer de dimension. Gros con. Voyons voir cela. Ça doit bouger. Po. Raziel délinquant, putain. Il arrive, il pousse des trucs comme hack. Genre il rentre dans un temple, il fait genre ça me saoule. Tiens, par terre. Hop. Tu sais, c'est un peu comme dans les dessins animés. Quand c'est bien détouré en noir, c'est un truc qui va bouger. Alors que quand c'est pas détouré, c'est du décor dans les vieux dessins animés. Mais dans ces jeux-là, c'est pareil. Quand c'est des textures avec beaucoup de polygones, tu dis ça bouge. Ah, je croyais que c'était Goku, je suis vraiment déçu. Ça, on dirait vraiment de l'énergie Saiyan, quoi. Du ki. Du quoi, du comment? Oh, je tenais vraiment à faire cette blague. Qu'est-ce que c'est que si? Qu'est-ce que c'est que ça? Super pouvoir de mort-vivant. Et tu sais que c'est optionnel. Te confère des forces élémentales. J'ai failli dire une grosse connerie. Chaque sort te coûtera de l'énergie. Tu devras donc en user avec sagesse. Ok. En plus, c'est vrai que Raziel ressemble un peu à un Robin mort-vivant, je trouve. Mon corps se dissout, c'est affreusement douloureux. Ouais, non, j'allais dire, tu reconnais les trucs optionnels quand t'as pas la voix off du grand ancien. Mais comme j'ai dit, c'était une connerie vu qu'il a quand même parlé. Mais les glyphes, il me semble que c'est vraiment optionnel par contre. Hein. Mais il est en train de me mettre la mine, ce bâtard. Allez, aspire son âme avant que l'autre me tape. Merci, t'es gentil. Alors, je suis pas complètement full life. Ceci dit. Ah, toi, tu fuis parce que t'as plus beaucoup de vie. Et viens là. Arrête de courir. Combat d'infirme. Mais reviens là. Ah. Putain. Vous m'avez saoulé. Esh, vous m'avez saoulé. Non, là-bas, il fallait... Je me rappelle, quand j'étais monté, il me fallait le pouvoir de l'escalade. Et c'était par là, le pouvoir de l'escalade? Ou alors je fume complètement, là. Ah oui, non, là, c'était juste le pouvoir de l'escalade. Ok, bon, on se barre, alors. Mais il me semblait que j'avais trouvé un raccourci, je sais plus quand. Ah, mais oui, mais c'est là.
Là, si je remonte, je crois que ça fait... ça fait des chocs à pic ou un truc du genre. En tout cas, hors de question que je me tape tous les ouags, là. Ah, oui. Effectivement. En plus, maintenant, vous voyez que dans mes sorts, j'ai ça. Et je sais pas ce que ça a fait. Je sais plus. Bon, dans tous les cas, on va se munir d'une arme. Eh ben, j'ai bien fait. Parce que on a un vieux sbire de Melka. Qui porte d'ailleurs le tatouage de son clan. Enfin, une cicatrice rituelle, j'imagine. Avec le glyphe de son clan dans le dos. Et ça fait partie des petits détails qui rendent cet univers aussi intéressant et cohérent. C'était par là? Ouais, je crois que c'était par là, ouais. Effectivement. No, don't fuck with my heart. Attends. Ouais, et là, derrière moi, c'est le signe de Melka. Donc, on va aller au sanctuaire des clans. Ça, c'est mon clan à moi. Celui des Razelim. Ah, je crois que c'est ça, le sanctuaire des clans. Hein? Mais non. Justement, j'avais bien choisi. Casse pas les couilles. Ah, mais soit ils sont lock. Ça sert à rien. Et en plus, c'est du spoil, alors pas cool. Ah, mais je l'ai pas encore découvert. C'est pour ça que j'ai pas pu y aller. Yes. Et là, vous avouerez quand même que la TP est juste surstylée, quoi. Tu traverses le portail comme si de rien n'était et hop, t'y es. Et presque de manière seamless, quoi. Genre, le chargement est tout à fait déguisé. Et c'est pas mal du tout. Et du coup, rappelez-vous, on ne pouvait pas rentrer dans le sanctuaire des clans car il y avait une grille. Chose qui ne nous arrêtera plus désormais. Alors, est-ce que je marche dans le bon sens ou pas? Ouais, je marche dans le bon sens, c'est bon. Non, lui, on va l'ignorer. On va copieusement l'ignorer. C'était par là, hein, si je dis pas de cornabits. Ouais, c'est là. Bon, par contre, va falloir que je tue celui-là. Ah, mais non. Suis-je con? J'en ai rien à battre. Vu que pour passer, il faut que je sois dans le monde spectral. Donc... Yeah. Voilà. Petit glyphe. Petit glyphe. Là, on va arriver à un passage qui, de mémoire, m'avait complètement traumatisé. Oh putain, mais les ouags, quoi. Vraiment, par contre, il manque un bouton se protéger, quoi. Très clairement. Toi, d'ailleurs, viens là-bas. Voilà. Une âme. Allez, elle veut pas venir, celle-là? On va arriver contre un boss qui, vraiment, m'avait fait le fion, il me semble. Ou alors j'étais mauvais, enfin, ça veut pas dire que je suis toujours, qu'aujourd'hui je suis bon. Ouais, non, mais il fait disparaître son modèle 3D, lui aussi, il triche. Allez, rien à battre. Voilà. Le sanctuaire des clans. Avec deux petits Dumaïn, donc les enfants de Duma. On va éliminer de la manière la plus logique qui soit, c'est-à-dire balancer-les à la flotte. Ou alors on peut les ignorer en faisant comme ça. Oui, je t'ai feinté. Par contre, je crois que je suis obligé de les battre en fait pour que la porte s'ouvre. Donc c'était pas une super super idée. Eh mais genre, vous bougez vraiment pas les gars? Vous débordez pas vraiment d'une franche envie de vivre, hein. Arrêtez-moi si je me trompe. Il y avait une lumière bleue là-bas. Vous avez vu ou pas? C'est quoi ça? C'est dangereux ce que je fais. C'est aucune idée. Et surtout, ne m'explique pas, hein, vieux grand-père. Leurs âmes ont déjà disparu?
Ouais, je crois bien que leurs armes ont déjà disparu, c'est pas grave. Elle les esquive dans le vent. Bah, va plus loin. Non mais j'ai pas d'armes pour vous tuer les gars. Et je vais pas faire les allers-retours chaque fois que je joue à la flotte. Hein. Faut arrêter de déconner. Ah bah on va switcher de monde. J'imagine que c'est aussi simple que ça. Arrêtez-moi si je me trompe. Mmh, oui voilà c'est ça. Hihi. I'm dead man. C'est vrai qu'on entend des voix bizarres dans ce sanctuaire. Je crois que la BO change quand on switch entre le monde spectral et le monde physique. Bon, ils sont quand même généreux en âme. Enfin, ils sont obligés, sinon leur mécanique ne marcherait tout bonnement pas. Et là, ça revient au même. Ok, d'accord. Allez, hop. On switch. Et non pas Auschwitz, parce que ce serait de très mauvais goût. Ozar Midrashim. Information Society. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Spoiler, là. L'épée sur la porte, c'est la Soul River. Raziel. Je me suis foutu le doigt dans la putain de merde. Kate. Les abysses ne t'ont pas épargné. Oui, c'est la même voix que l'ancien. Complètement. Aujourd'hui comme hier, 100%. Ta création. Oh, ce texte. Critiquerais-tu ton œuvre? Où est mon clan, monstre dégénéré? Tu n'avais pas le droit. C'est trop bien. Ce que j'ai fait, je peux le défaire. Fils. Maudit sois-tu, Cain. Tu n'es pas un dieu. Ce génocide est impardonnable. Toi qui me parle de conscience. Attends d'avoir pesé la gravité de tes choix avant d'avoir l'audace de porter un jugement sur moi. Ta vie n'est qu'une étincelle comparée à la quantité de regrets et de doutes que j'ai pu accumuler depuis que Mortanius, pour la première fois, me détourna de la lumière. Le destin du monde dépend de la sagesse. CF, le début de Blood Omen 1. Je choisirai l'intégrité, Kay. Regarde un peu autour de toi, Raziel. Contemple ce qui reste de notre empire. Notre ère tire à sa fin. Les clans sont disséminés à travers l'Osgoth. Cet endroit a fait son temps. Tout comme toi. Le voice acting est complètement fou. J'adore. La Soul River. L'épée de Cain depuis la nuit des temps. Plus ancienne et plus dangereuse. Elle est comme le nom du jeu. Que nous tous. Selon la légende, elle est possédée et se nourrit des âmes de ses victimes. Pour nous tous, voir Cain tirer sa précieuse épée de son fourreau signifiait une seule chose. La mort. Par contre, c'est vraiment dur de pas vous spoiler sur la vérité quant à la Soul River, je vous jure. 100%. Alors. Ah putain, alors ce combat. Je sais même plus comment on est censé le passer. Oh non, effectivement, les musiques changent selon le monde dans lequel on est, et ça c'est cool. Viens là, toi. Allez, je vais revenir, je vais me faire one shot par ce bâtard de Cain. C'est compliqué les relations entre Cain et Raziel, hein. C'est compliqué. Il est où? Non, tu me one shotteras pas. Putain. Non, mais la Soul River, elle fait vraiment pas de cadeau, ceci dit. Hein. Une âme. Que nous tous. Non, pas d'âme, mais un vampire des âmes. Que je vais copieusement ignorer. Bam! Alors là, faut vraiment localiser Cain le plus vite possible. J'aurai jamais le temps de l'atteindre. 100%, j'aurai jamais le temps. Putain, mais frappe-le, espèce de con! Là!
Vous sentez que ça va prendre 3 plombes. Évidemment, en plus, lui repop à l'infini. Hein. Pas drôle, sinon. Mais je te bourre, 100%, oh là là. Et tes cris sont insupportables, malandrin. Ok. Ah, c'est cool. Allez. C'est vraiment un combat de... passionnant. Il revient toujours là? Ok, c'est bon à savoir. Là, normalement, il est où? Allez! Et oui, c'est vraiment la même voix que l'ancien. Et c'est pas du tout la même voix que dans le... l'introduction, ce qui est bizarre. Donc on a Benoît Hamelin pour les deux, mais Benoît Hamelin est tellement un grand comédien de doublage que c'est vraiment pas grave. Et là, donc en fait, il a voulu me frapper avec la souris verte, mais la souris verte s'est brisée sur moi. Mon épée est vaincue. Nous sommes un peu plus proches du jugement final. Sachez que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin du tout. Alors ceci, je vais faire un truc. Pendant que ça blablate un peu. Je vais juste mettre ça en un poil plus grand. Il m'avait semblé apercevoir une lueur de plaisir dans l'œil de Kane à l'instant où il vit son épée se désintégrer. Décidément, je ne comprenais pas son jeu. Bah non. Mais je savais ce qu'il me restait à faire. Désormais... le destin de cette épée est lié au tien pour toujours. Vous ne faites plus qu'un. En détruisant cette épée, tu l'as libérée de sa prison physique. Elle a repris sa véritable forme, celle d'une arme spirituelle. Elle n'a plus d'existence réelle. Elle n'apparaîtra que dans la sphère matérielle lorsque tu seras en pleine possession de tes forces. Lorsqu'elle est apparente, elle te fournit de l'énergie. C'est ça, en fait, en gros, quand je suis full life, la Soul Reaver apparaît, et je reste full life tant que je me fais pas toucher. Ma vie ne descend plus dans le monde réel comme avant. Et ça, c'est cool, c'est qualitatif, les gars. Qui es-tu? Un serviteur de Kane venu solliciter un spectre solitaire? Non. Autre perso très important. Votre repos. Mon repos? Ne faut-il pas être fait de chair et d'eau pour aspirer au repos? Non, cher enfant. Mon existence n'est que souvenir et réminiscence. Conscience désespérée du monde, de son histoire et de ses insanités. Passé impalpable, futur improbable, s'agit-il d'une seule et même entité? Suis-je ici pour l'éternité? Tant que Kane ne meurt pas... Kane a refusé de faire ce sacrifice. Les colonnes, pourries jusque dans leurs racines, symbolisent son ambition aveugle. Ce lieu n'est plus aujourd'hui qu'une prison, ma demeure éternelle, à cause de l'avarice de ton maître, Kane. Ce misérable n'est plus mon maître. Nous avons donc un ennemi commun, Raziel. Reviens si tu as besoin de moi. Ariel se souvient de ce que les autres oublient. Et donc oui, elle hantait déjà ses colonnes au début de Blood Omen 1 et elle le fait toujours. La pauvre, elle n'a pas bougé depuis le premier jeu et il y a peut-être des centaines d'années, des milliers d'années, voire, qui sont écoulées entre les deux. C'est dur, les copains. Alors, je voulais juste terminer cela. On va redimensionner un peu la fenêtre. Ouais. Comme ça, vous avez l'image en un peu plus grand. C'est quand même mieux, je trouve. Voilà. On va faire ça. Attendez, ça, voilà. Hop, hop. Et où est-ce que c'est? Là, voilà.
tout va bien, tout va bien. Alors c'était un épisode peut-être un petit peu long, je regarde mon chrono. Non, ça va, on est dans les temps, honnêtement on est dans les temps, ça va. Tout va pour le mieux, on a battu Kane pour la première fois. Vous doutez bien que ce ne sera pas la dernière, ceci dit. On en apprend un petit peu plus à cette histoire, et il y a un petit peu de mystère, ça qui commence à être saupoudré au-dessus de tout ce contexte. Peut-être que Kane nous a tués, ce n'est pas tant une histoire de jalousie. Peut-être qu'il se passe des choses plus sombres et plus complexes derrière tout cela. Qu'est-ce que la Soul Reaver ? Pourquoi la Soul Reaver s'est brisée sur moi alors que c'est l'arme la plus puissante du monde ? Et pourquoi la Soul Reaver serait-elle une épée spectrale à la base alors que Kane, quand il la récupère dans Batman 1, c'est moi qui vous le dis, elle est bien physique. Toutes les réponses ne seront pas dans Soul Reaver 1, je vous assure. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuitée, une bonne matinée ou une bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas le clap, commentaire, like, abonnement, partage. Vous savez ce que ça veut dire au bout d'un moment. Je vous fais des gros bisous. YouTube, vous êtes les meilleurs. Et pour cela, je vous dis, prenez la pause, les gars.